Zepto, ça va être à toi. J'arrive. Non, Zepto, avec les costumes. Ah oui, j'aime bien les costumes. Ça y est. Oui, c'est mieux. Tu t'allonges sur le banc et Josué Piu-Piu va faire le précepteur. Avec le Oui, costume. bien sûr. J'envoie la bande son, attention. Albert, fais le clap. Nya, nya, nya. Ça tourne. Monsieur, que voulez-vous de moi? Me préparer à mon métier? Je suis submergée de travail. Je ne sais pas où donner de la tête. Tenez. Il faut d'abord que je crache 365 fois de suite sur cette pierre. Vous n'avez jamais essayé? Allez-y. C'est une distraction tout à fait originale. Ensuite, vous voyez ce sable dans ma main? Je le jette en l'air. On parie? Combien de petits grains ai-je maintenant sur le dos de ma main? Pair ou impair? Comment? 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 Vous ne voulez pas parier? Vous êtes païen? Non? Vous croyez en Dieu? D'habitude, je parie avec moi-même. Et je peux faire ça des journées entières. Si vous arriviez à me dénicher quelqu'un qui ait envie de parier avec moi, vous m'obligeriez beaucoup. Ensuite, il faut que je cherche comment m'y prendre pour voir le dessus de ma tête. Oh, si l'on pouvait se voir le dessus de la tête, ça, c'est l'un de mes idéaux. Je serai sauvée. Et ensuite, quantité de choses du même genre. Un oisif, moi? Ne suis-je pas très occupée? Eh oui, c'est triste. Très triste, Votre Altesse. Triste, triste que les nuages depuis 3 semaines passent d'est en ouest. Cela me rend complètement mélancolique. Une mélancolie? On ne peut plus fonder. Sacrebleu! Pourquoi est-ce que vous ne me contredisez pas? Vous êtes pressé, n'est-ce pas? Je suis désolée de vous avoir retenu si longtemps. Monsieur, je vous félicite. Quand vous saluez, vos jambes sont de superbes parenthèses. Les abeilles sont posées paresseuses sur les fleurs et la lumière du soleil nonchalante sur le sol. Partout règne une oisiveté crasse. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Qu'est-ce que les gens ne font pas par ennui? Ils font des études par ennui, ils prient par ennui, ils s'aiment. Se marie et procrée par ennui et finalement meurt par ennui. Et c'est là l'humour de la chose. Tout cela d'un air on ne peut plus sérieux. Et sans savoir pourquoi et en pensant Dieu sait quoi. Tous ces héros, ces génies, ces crétins, ces saints, ces pécheurs, ces pères de famille ne sont pas autre chose que des oisifs raffinés. Pourquoi faut-il que moi, justement, je le sache? Pourquoi ne puis-je pas me prendre au sérieux et affubler cette pauvre marionnette d'un habit et d'un parapluie pour qu'elle devienne très honnête, très utile, très morale? L'homme qui vient de me quitter, je l'enviais. J'aurais pu le rosser par envie. Oh,
Oh, s'il était possible d'être un autre, ne serait-ce qu'une minute. Comme il court, cet homme. Si seulement il y avait sous le soleil quelque chose qui me fasse encore courir. Oui, en effet. Vous m'avez compris parfaitement. Alors, parlons d'autre chose. Pendant ce temps-là, je me couche dans l'herbe et je laisse fleurir mon nez là-haut parmi les chaumes. Et quand les abeilles et les papillons viendront s'y bercer comme sur une rose, j'en tirerai des sensations romantiques. Mais, mon cher ami, reniflez moins fort. Sinon, les abeilles et les papillons vont mourir de faim avec ces monstrueuses prises que vous respirez des fleurs. Ah, monsieur, comme je suis sensible à la nature. L'herbe est si belle qu'on voudrait être un bœuf pour la manger. Et puis, de nouveau un homme pour manger le bœuf qui a mangé une herbe pareille. Malheureux, vous m'avez l'air sacrément tourmenté par l'idéal. Quelle tristesse! Ne pas pouvoir sauter d'un clocher sans se casser le cou. Ne pas pouvoir avaler 4 livres de cerises avec les noyaux sans attraper mal au ventre. Voyez, monsieur, je pourrais m'asseoir dans un coin et chanter du soir au matin. Voilà-t-il pas une mouche au mur, mouche au mur, mouche au mur, voilà-t-il pas une mouche au mur, mouche au mur, mouche au mur, etc., etc. Jusqu'à la fin de ma vie. Ferme-la un peu avec ta chanson, tu vas nous rendre fous. Comme ça, au moins, on serait quelque chose. Un fou, un fou, un fou. Qui veut échanger sa folie contre ma raison? Voilà, je suis Alexandre le Grand. Le soleil fait une couronne d'or dans mes cheveux. Mon uniforme jette des éclairs. Monsieur le général Sauterelle, faites avancer les troupes. Monsieur le ministre des Finances, le faucheux, j'ai besoin d'argent. Chère dame Libellule, que fait ma chère épouse, Rame de Haricot? Ah, cher docteur Cantaride, j'aurais bien besoin d'un prince héritier. Et en plus de ces délicieuses imaginations, on a de la bonne soupe, de la bonne viande, du bon pain, un bon lit et la boule à zéro gratis. Je veux dire, à l'asile. Alors qu'avec ma saine raison, je suis tout juste bon à proposer mes services pour faire mûrir les cerises, afin qu'elles rougissent de honte en voyant les trous de ton pantalon. Mais, très noble ami, ton activité, ta profession, ton industrie, ton état, ton art. Monsieur, ma grande occupation, c'est l'oisiveté. Je suis extrêmement habile à ne rien faire. Je suis douée d'une monstrueuse persévérance dans la paresse. Nulle callosité ne défigure mes mains. Le sol n'a pas encore absorbé une seule goutte tombée de mon front. Pour ce qui est du travail, je suis encore immaculée. Et si ça ne demandait pas trop de peine, Je prendrai la peine de vous exposer plus en détail toutes ces belles qualités. Viens dans mes bras. Es-tu l'une de ces créatures divines qui, le front serein, suivent sans effort la grande route de la vie à travers la sueur et la poussière et qui font leur entrée dans l'Olympe avec des semelles rayonnantes de lumière et des corps dans tout l'éclat de leur beauté, comme des dieux bienheureux. Viens, viens. Voilà-t-il pas une mouche au mur, mouche au mur, mouche au mur. Voilà-t-il pas une mouche au mur, mouche au mur, mouche au mur. C'est bon, c'est dans la boîte. Il y a un moment où j'ai failli oublier mon texte. Ça va, Zepto, on ne l'a pas remarqué. Mon personnage, il pourrait nous faire croire que c'est bien de ne rien faire.
Oh, que c'est mal d'être fainéant. Et non, l'auteur de la pièce, Georges Büchner, il ne nous raconte pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais c'est pas ça. Il rend ses personnages sympathiques pour que nous puissions essayer de les comprendre. Ah, si je pouvais être un autre, ne serait-ce qu'une minute. C'est exactement ça, Zepto. Là, t'as tout compris. Moi, j'aime bien Valerio. Il est drôle. Il aime la vie. Léonce aussi est touchant, avec sa déprime maîtrisée. Mais quand même, peut-être qu'il réfléchit quand même un peu trop. On ne réfléchit jamais assez. C'est pour ça que certaines absurdités de l'existence nous paraissent normales. Et moi alors, c'était bien? Oui, Josué et Piu-Piu, c'était super. Ton hésitation avec les c'était bon, ça, c'est très bien. Allez, on se prépare pour la scène 2. Voilà, t'es pas une mouche au mur, mouche au mur, mouche au mur. Voilà, t'es pas une mouche au mur, mouche au mur, mouche au mur.